Gatekeeper, ici Fortress. Répétez. La liaison est mauvaise. À vous. Quel fils de pute! Capitaine, je peux essayer en morse. Ça devrait passer. Pas le temps. Les destroyers qui nous suivent ne vont pas s'arrêter pour nous attendre. Quels sont vos ordres? Vous allez activer le radar, le sonar et tous les capteurs qu'on a. Il faut que je sache ce qui nous attend là-bas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, je vous parlerai après, hein. C'est pas vraiment le moyen de transport que j'espérais. Voilà le Valkyrie. Ouais. Et qui file tout droit dans un piège. Accrochez-vous! Accrochez vos câbles! Eh, ça va aller. J'ai l'estomac à l'envers. Mais ça devrait aller. Ah, quel enfoiré! Tu dois dégueuler. Fais-le sur les ennemis au sol. Vérifiez l'équipement. Le plancher des vaches, Wrecker. Le plancher des vaches. Charge le matériel. En attente. Bon, nous voici pour ce qui devrait être le dernier épisode du Let's Play sur, sur Battlefield 4. Et c'est moi où je vais louper le bateau là. Je peux pas louper le bateau. Ah, d'accord, c'est pas possible. Heureusement parce que je pense que je serais pas passé loin là. Déjà, on va reprendre mon M416 ici. Ça. Et à la place, en plus du moins, on va prendre du M320. Ah, faut que je m'équipe comme il faut, hein. Ah, moins un déjà. Dégage toi. Ah oui, là-haut. Dégage toi. Waouh, putain, il a bougé lui, ce con. Bon, ça c'est pas gênant gênant en soi. Dégage. Toi aussi. Ouh, il y a un hélico. Voilà. Voilà. Ha ha. Again. Wow. Dégage toi, gros con. Bon, pour le moment ça a l'air free. Et si t'as free, t'as tout compris. Voyons voir où ils sont là. Putain, je l'ai loupé. Là, touché lui. Touché. Oh putain. Je m'y attendais pas quand même au RPG là. Je pensais quand même avoir le temps d'y tirer avant.
Oui, tu m'étonnes. On va passer par là, hein. Récupérer quelques trucs là. On va voir. Peut-être pas mal jeté ça. Oh non, putain, eh, c'est un déconné, ils sont où, eh? Je le voyais pas, le mec avec son lance-patate, là. Putain, les salauds. Eh, il me saoule, là. Bon, c'est la dernière, en même temps. Y'a un problème encore, là. Ah, c'est la joue au lance-patate aussi, hein. Là, dégage. Dégage. Touché. Coulé. Bon, normalement, j'en ai eu pas mal déjà, là. Voilà. À couvert. Pousse-toi, pousse-toi. Parce que là, je suis pas bien, là. Mis à part me faire arroser, là. Je les vois pas. Il est là, le problème. Je sais pas où ils sont. Aussi, il a un QBZ. On arrive. Voilà. J'ai débloqué l'argent. Ah ben voilà. Donc à la place de ça, on va prendre anti-aérien. On va prendre, ouais, on va prendre un anti-aérien. On sait jamais. Parce qu'après au sol, j'ai ce qu'il faut. Où il est, où il est, où il est. Là, dégage. Putain, toujours pas. Il est où, ce con? Costaud, celui-là, hein. Ça, c'est bon. Ouh, le petit coup de chance là. Pourquoi tu crois qu'il m'a mis capitaine? Ou sergent ou lieutenant, je sais plus.
Ok. À mon avis, c'est là, là. Elle est où, Erich? Je te cours. Et on se méfie des coins, parce que les coins, c'est sournois. Excuse, hein, je vais courir Anna, moi. C'est bon, il n'y a pas de survie. Ah, ça, enfoiré ! On sort, Ricker ! J'ai failli vous tirer dessus encore une fois. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Vous êtes là, Tombstone existe toujours. Oh putain, on a tous cru que t'étais mort. Ouais, mec, après votre départ. Hein. Oui, Ginger, il va bien ? T'es toujours là. C'est cool. Ouais, Ginger va bien, tu vas le voir. Sergent Pakowski, on fait quoi pour les réfugiés? Marines, restez avec eux. J'amène Tombstone à l'infirmerie. Après vous, sergent. Allez, feu. Avance, bonhomme. Faites gaffe aux hommes! Hé, Pak, qu'est-ce qui s'est passé à Singapour? Comment tu t'en es sorti? Dans la merde et je m'en suis démerdé. Fin de l'histoire. Je me demandais juste où t'avais appris tous ces gros mots. Ça vient quand on doit ramper un kilomètre dans un égout avec un trou dans le vide. Difficile d'être plus près que ça de l'enfer. Bizarrement, je le sens pas, Pac. Je sais pas pourquoi. Vous êtes avec moi, Hacker. Attaque synchronisée. Ouvrez la porte. J'allais dire, mettre pas surtout, Pac. Mais quand même bien laisser me débrouiller là, le salopio. Attention. Là, par contre. Tu m'étonnes. On va faire le plus vite qu'on peut, hein. Bien gentil, toi, mais... Reste au courant que c'est grand, un navire. Ginger. Pour les sortir de là. Doucement. Vous êtes resté inconscient plusieurs jours. Vous ne devriez même pas parler. Ma voix et mon arme. Sans elle, je ne sais pas. Run, Miss Shawana. Non, j'ai déposé les armes, capitaine. Mes frères ne me tueront pas. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vos frères pensent que vous êtes mort. Vous êtes une cible, comme nous. Une mission, un homme à abattre. Il suffit qu'ils me voient, qu'ils voient que je suis en vie. Et ils oublieront leur mission et déposeront les armes. Vous pouvez peut-être les laisser entrer? Oui. C'était une blague. Je suis assez d'accord. Je suis sérieux, si on se bat, tout est perdu. Je vais aller ouvrir. Je ne vous laisserai pas faire. Écoutez-moi. Dès qu'ils entreront, ils vous tueront. C'est cette porte qui vous maintient en vie. Après un tel choc, il devrait être encore au lit. C'est sûrement le trauma qui parle. Dans cette pièce, je suis invisible, comme si j'étais déjà mort. Mais il y a une dans la tête qu'on n'en parle plus. Si je ne peux pas montrer mon visage ou parler à mes propres frères, sans crainte. Alors, dans ce cas, j'ai perdu. Il faut que je sache où j'en suis. Ouvrez la porte, sergent. Oui, gentil. Et bien, Pierre, là. Rougogne, on est en train de se faire. Fais pas ça. Putain, fais pas ça.
C'est bon. C'est bon. Cet enfoiré a réussi. On fait quoi maintenant? Il y a encore pas mal de soldats chinois dehors. Ça va aller. Ils sont prévenus. Pas tous. C'est Chang. Ils ont un navire au nord d'ici. Le fils de pute, il veut enterrer la vérité et ceux qui la connaissent. On peut attaquer? On n'a plus rien, rien du tout. Même pas du C4? On manque pas de C4, mais ça va nous servir à quoi? Donnez-moi un semi-rigide et tout le C4 que vous avez. Vous êtes pas sérieux, là, Irish. Aussi. On ne peut plus sérieux. Très bien, Pac. C'est bon. Raker, Irish, vous venez? Anna, t'es sûr de ton coup? Allez, go. Michonne s'y tient grave. Allons faire péter ce putain de Chang. Écoutez, je veux un semi-rigide plein de C4 prêt à partir maintenant. Pas d'excuses, on est en route. Attends, t'imagines, on, allez, et on se fait chier, il y a des avions, il y a tout là. T'es marié avec ce type ou quoi? Je suis marié à ses idées. Donne tout là. Anna, tu penses que les choses seront différentes un jour? Bien sûr. Mais pour que ça arrive, je vais devoir continuer à me battre. T'as rien à craindre avec moi, Anna. Allez, c'est parti. J'ai ça pour vous, sergent. Tu nous laisses, Pac? Vous restez en vie. C'est un ordre. T'inquiète, garde le Valkyrie à flot. On va revenir. Mais qui laisse toute son escouade rester partir comme ça là? Putain de merde. Allez, foncez, Raker. C'est parti, go. Je me fais arroser. Essayez de zigzaguer un peu pour... éviter qu'il puisse me tirer dessus. Je fais ce que je peux. Je vais à Irish. Irish, il cartonne. Ouf. Ça s'appelle une mine, je pense. Ça va? On est dans l'angle mort. C'est bon. Pas l'autre. Irish. Il suffit que ça. Ah mais ils sont sérieux? Faut pas t'inquiéter. Ouais, bien sûr. Ça vient de Suède. Oh bon, je me sens vachement mieux. Ah, ça va s'appeler de l'infiltration. Oh putain. Merde, passe pas ça. Il va falloir redescendre. Ok, un seul d'entre nous suffira. Raker, il vous reste une de ces charges de C4? Vas-y, donne.
Tiens, je la prends. Je te laisserai pas risquer ta vie, Anna. Je suis Irish, pigé. C'est moi le chanceux. Putain, lequel ? Je risque ma vie pour mon pays tous les jours. Donnez-moi la charge. Ton pays a besoin de toi, enfie, Anna. Allez. Allez, Riker. Tiens, toi, tu m'as toujours reproché. Ça s'est senti. Quand le détonateur passe au vert, appuyez sur ce bouton, Riker. Tu voulais être un héros, tu m'as reproché d'avoir fait le capitaine au début. C'est bon, on peut y aller, Riker. Appuyez sur ce bouton. On va sauver tout le monde. Voilà, pas d'hésitation, désolé Irish. Au moins, tu seras parti en héros. On a fait ce qu'il fallait, Riker. Il est pas mort pour rien. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien écoutez, c'est là-dessus que Battlefield 4, le mode solo, se termine. Un mode solo relativement court, mais au moins très intense. Voilà, je préfère ça plutôt qu'un jeu au bout d'un moment, on en a marre, on n'a plus envie d'y jouer. Là au moins, c'était court, c'était bien, c'était intense, beaucoup d'action. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement avec un nouveau let's play sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.